Durant ces jours, j'ai pu le voir à deux reprises, parler avec lui. Il est tout à fait conscient des difficultés de sa situation post-opératoire. Nous disons à notre peuple, à nos frères du monde entier, que nous les informerons, qu'ils doivent avoir confiance dans les informations que nous leur fournirons à chaque instant. Nous avons confiance et foi en Dieu et dans les médecins. L'état de notre commandant Hugo Chavez va continuer à évoluer et il sortira rapidement de cette situation complexe et délicate dans laquelle il se trouve après son opération.